Salut à tous, c'est Safix. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online 1.46 pour un tout nouveau glitch qui consiste à modder les deux roues de votre Sanchez. Donc, ça marche avec les deux Sanchez, la Sanchez qu'on peut changer les couleurs et la Sanchez qu'on peut changer juste les motifs. Donc, moi sur la miniature, j'ai mis celle qu'on peut changer les couleurs et en vidéo, je vais vous présenter celle qu'on peut changer juste les motifs. Je sais que la précédente vidéo où je vous montrais comment modder la roue avant de la Sanchez était pas mieux parce qu'il n'y avait pas la deuxième roue, donc la roue arrière modée. Je ne connaissais pas. En fait, j'ai trouvé ce glitch plus tard, donc du coup, je vous le représente maintenant. Bon, donc en fait, c'est pareil que le premier, sauf que cette fois-ci, il faudra une moto avec les roues custom. Donc, moi, pour ma part, je vais prendre la BF400 pour faire le glitch. Vous pouvez prendre n'importe quelle moto du moment qu'elle a les roues custom comme moi. Après vous choisissez la couleur que vous voulez, moi j'ai mis vert, après vous mettez ce que vous voulez. Donc il vous faudra l'arène et le RC Manito bien sûr. Donc le RC Manito pour ceux qui savent pas ça se trouve sur le site San Andreas. Donc pour commencer vous allez monter sur votre moto qui a les roues custom, donc moi c'est la BF400. Vous allez faire flèche droite. Une fois que moi vous allez choisir les roues et la couleur que vous voulez, donc moi c'est déjà fait, donc moi pour ma part je vais faire rond. Descendre du véhicule. Une fois fait, vous allez vous mettre devant le RC Bandito et marcher tout doucement. Et tout en marchant tout doucement, vous allez appuyer flèche droite. Pour savoir que vous avez réussi, vous allez avoir une petite animation comme si votre personnage allait marcher tout seul vers le RC et un écran pendant une seconde sur le RC. Voilà, ça me l'a fait. Mon personnage a marché tout seul. Donc, une fois que vous avez commencé, vous allez remonter sur votre moto, faire flèche droite. Vous avez changé quelque chose sur votre moto, donc la couleur des roues, peu importe, vous avez juste changé quelque chose. Une fois avoir changé quelque chose sur la moto, vous allez faire start ami et vous allez faire rejoindre partie d'un ami qui joue à GTA Online. Donc vous appuyez, vous allez avoir ce message. Ce message va s'enlever tout seul. Vous allez voir, vous touchez à rien. Il va s'enlever tout seul. Là, vous touchez toujours à rien. Vous allez avoir un deuxième message qui va apparaître tout seul. Donc là, voilà, ce message est apparu tout seul. Vous le refusez. Une fois le message refusé, vous allez descendre de la moto et vous allez monter sur votre Sanchez. Donc ça marche avec les deux Sanchez, je rappelle. Là, vous montez dessus, vous faites R2 pour sortir. Et une fois à l'extérieur, vous aurez les deux roues modées, ainsi la roue arrière. Voilà, comme vous voyez, j'ai deux roues modées. Donc après, une fois avoir les roues modées, vous pourrez choisir, enfin changer les motifs. Vous pourrez changer ce que vous voulez. Donc voilà. Après, vous sortez du véhicule, le véhicule va disparaître, c'est normal. Vous rentrez à pied dans votre arène. Une fois à l'intérieur, la Sanchez sera sauvegardée. Avec les deux roues modées. Donc après, si vous souhaitez changer quelque chose sur la Sanchez, vous pouvez, à part bien sûr les roues. Bien évidemment, vous ne pouvez pas changer les roues. Si vous voulez changer les roues, vous allez devoir recommencer le glitch. Mais après, vous pouvez changer le motif. Voilà. Donc pareil sur l'autre Sanchez, vous pouvez changer la couleur. Après avoir fini le glitch. Donc là, je vais vous montrer que je peux changer les motifs. Après, pour pas changer les roues, je répète. Là, comme vous voyez, j'ai les blindages, le frein et tout à fond. Là, je vais juste changer le motif. Donc, je vais mettre le motif Sprunk Extrême. Ça va bien avec les roues. Après, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez changer la couleur des roues. J'ai complètement oublié. Vous pouvez changer la couleur des jantes. Voilà, j'espère que tes votes t'aura plu. C'était Sasux, c'est à tout le monde. Peace!